Amélie a mis sur pied une expédition, l'élite de Bridges 1, pour partir vers l'ouest. Je leur ai fait éviter les cratères et le territoire des échoués. J'ai protégé leurs arrières pendant qu'ils cherchaient des survivants. Pas un seul échoué ne lui a échappé. Elle les voyait venir à 10 kilomètres. On a persuadé les gens de rejoindre les UCA, les uns après les autres. Et certains d'entre nous sont restés sur place pour les aider. Ça nous a pris 3 longues années. Mais on a finalement réussi à atteindre la ville relève frontière. Vous étiez arrivé au Pacifique. Incroyable. Oui. Mais là-bas, tout a dégénéré. L'équipe a été décimée. Et Amélie, capturée. Capturée. Je ne suis pas retenue dans une cellule, ni ligotée, rien de ce genre. Je peux utiliser leurs installations et communiquer avec vous autant que je le souhaite. Mais je ne peux pas quitter la ville. Sam, ici Dallerman. Votre objectif actuel est de parvenir à étendre le réseau chiral d'ici à la ville relais portuaire. Mais vous n'allez pas pouvoir vous contenter d'avancer en ligne droite. Le signal ne porte pas aussi loin. Pour couvrir cette distance, il faut utiliser des relais. Voyez ça comme des nœuds reliant des cordes ensemble pour former une corde plus longue. Le premier de ces relais est une station de Bridges. Jetez donc un œil à la commande. Livrez-leur ce dont ils ont besoin et connectez le Cupidon. Commande attribuée. Lancement du scan. Faites bon voyage. Sam, vous avez bien vérifié votre équipement ? Thank you.
Harding qui est à l'origine de tout ça. Les guetteurs, l'effondrement de l'Amérique et tout ce qui est arrivé depuis. C'est à cause de lui que le monde a complètement changé. Les hommes n'ont pas eu d'autre choix que de détaler comme des rats quittant un navire en perdition. Et il n'y a nulle part où aller. On ne peut pas continuer à vivre ainsi. Si on veut survivre à tout ça, il faut trouver une solution. Un moyen de lutter contre les échoués, contre le Death Stranding, de reprendre le contrôle de la situation. Marchandises confirmées. Merci. Livraison. Merci. La perte de la ville relais centrale nous a tous secoués. Personne n'avait l'air de savoir ce que ça impliquait pour l'organisation. Ou pour les UCA, ou pour nous. Mais le cytacine va détendre l'atmosphère, ça nous sera bien utile. On sera à nouveau d'attaque en un rien de temps. Faites voir. Ah, c'est génial. Merci encore. Ouais, tout a l'air en ordre. Mais j'espère que notre station le sera bientôt. Vous êtes de la deuxième équipe, c'est ça? Où sont les autres? Morts. Dans l'anéantisation. C'est pas vrai. Tous dans la même explosion? Et donc, ils vous ont envoyé tout seul? Enfin, si c'était une simple livraison, soit. On voit passer des porteurs de temps en temps, mais... La deuxième équipe devait nous apporter le Cupidon pour nous connecter. Ça fait 3 ans qu'on attend de l'aide. Merde, 3 ans! Et ils nous envoient un seul type de... Merde, merde, merde! Dites-moi au moins que vous n'avez pas apporté que le cytocine. J'ai le Cupidon. Vous... Vraiment? Alors c'est vrai? Il marche enfin? Bon, dans ce cas, vous pourriez bien être la réponse à mes prières. Alors qu'est-ce que vous attendez? Branchez-nous à ce fichu réseau. Capital relais confirmé. Ça marche pour de vrai. Comme Amélie l'avait promis, on peut enfin faire ce pourquoi on est là. Et vous allez vers l'ouest, pas vrai? Il y a beaucoup de gens qui vont être ravis de vous voir. Vous allez continuer jusqu'à la côte, c'est ça? Mais alors vous allez pouvoir voir Amélie en personne. Oh, c'est énorme, ça, c'est vraiment énorme. Moi, je l'ai jamais rencontrée. Juste ses messages holographiques quand j'étais dans la première expédition. Enfin, quoi qu'il en soit... Soyez très prudents sur la route. Il y a pas mal de sales types dehors. Plus que de gens bien, paraît-il. Enfin bon, vous le savez déjà. Merci, Sam. En intégrant cette station au réseau Chiral, vous lui avez donné la possibilité d'échanger directement avec ceux qui se trouvent ici, à la capitale relais. D'accord. Et ensuite? À l'ouest de cette station se trouvent des structures installées par notre précédente expédition. Et de l'autre côté, votre destination suivante, la ville relais portuaire. Elle est située au bord d'un lac cratère, né de la première néantisation. Votre objectif est de connecter la capitale relais au relais portuaire. Mais pour y arriver, vous allez devoir vous servir de nos installations comme de stations supplémentaires. Elles seront essentielles pour établir une connexion stable. Étant donné la distance à couvrir, on était en train d'envisager d'utiliser un centre de distribution et une centrale électrique. Quant à savoir par où commencer... Le centre de district d'abord. Il ne faut pas oublier qu'on a des marchandises à livrer. Consultez le terminal et récupérez-les. Au travail, nouvelle commande disponible. Veuillez accéder au terminal de livraison pour plus d'informations. Commande attribuée.
de l'interdiction des armes. Attention, Sam. Des mules vous ont localisé. Fichez le camp de là. Vite, avant qu'ils ne vous tombent dessus. Rejoignez vite votre destination si vous ne voulez pas qu'ils vous trouvent. Yeah.
chose ne va pas, Sam? Je sais pas. Bébé a pas l'air au top. Ne vous inquiétez pas. Pour le moment, ses fonctions sont suspendues. Mais elles peuvent être rétablies. Je peux effectuer l'entretien nécessaire au centre de distribution. Mais dépêchez-vous. Le niveau acceptable. Quand ça se produit, il déclenche la production d'agents nocifs, et dans ce cas, pour faire simple, le corps s'attaque lui-même. On parle alors d'autotoxine. Si votre bébé ne fonctionne pas correctement, arrêtez-vous dans une chambre privée pour voir si l'incubateur l'aide. Les gens de la station m'ont beaucoup parlé de vous. Sam Bridges, de la deuxième expédition, c'est ça? Le type qui étend le réseau Kira la nuit tout seul, quand il n'est pas occupé à faire ses livraisons. Alors qu'est-ce que vous nous avez apporté de bon? Faites voir. Ça alors, vous êtes surpassé. Merci. Vous avez dû traverser le territoire échoué pour venir en plus. Non? On m'a dit que vous étiez une légende, maintenant je comprends pourquoi. Ça vous ennuierait de nous connecter au réseau? Là, on se dépêche. Je suis là, Sam. Enlevez la capsule et branchez-la à l'incubateur. C'est fait. Très bien. C'est juste un pic de stress passager. Ça disparaîtra très vite si on le remet dans le ventre de sa mère.
sa mère? Elle est au service de soins intensifs à la capitale relais. En mort cérébrale, bien sûr. Sa pseudo-mère, vous voulez dire? Tout à fait. Son ventre agit comme un catalyseur qui facilite la connexion entre le monde des morts et le bébé. Et c'est grâce à cette connexion que lorsque vous vous branchez au bébé, vous bénéficiez de la capacité de détecter les échoués. Hein? Ces capsules ont été conçues pour reproduire les conditions à l'intérieur du ventre de la pseudo-mère. Il est indispensable que les bébés s'y croient en permanence pour pouvoir fonctionner correctement. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas maintenir ces conditions sur le long terme. C'est pourquoi nous devons mettre à jour les données environnementales de façon régulière, en les synchronisant avec celles d'une pseudo-mère via le réseau chiral. Vous voyez ? La mise à jour des données est en cours. Donc, pendant qu'on parle, la capsule est en train de se synchroniser avec la pseudo-mère dans la capitale relais et de reconfigurer ses paramètres en fonction des dernières données. Replacer votre bébé de cette façon dans le ventre de sa mère devrait réduire temporairement son niveau de stress. Après tout, techniquement, c'est là qu'il devrait être. Il a des émotions. Je vais essayer d'ajuster le dosage d'oxytocine. L'autotoxémie devrait s'installer plus lentement à partir de maintenant. Et surtout, ne perdez pas de vue que les bébés ne sont que de l'équipement. Essayez de ne pas vous attacher. Je vous rappelle qu'on les a tous physiquement retirés du ventre de leur pseudo-mère. Un procédé qui les rend particulièrement incontrôlables et prédisposés à l'échec. À ce jour, aucun des bébés n'est resté en service actif au-delà d'une année. Il va peut-être falloir le mettre au rebut avant que cette expédition ne touche à sa fin. Et après? Il n'y a aucun moyen de garder mon bébé en vie? Comment vous expliquer ça? Il y a encore tellement de choses que nous ignorons à propos des bébés. À mesure que nous étendrons le réseau chiral et que nous récupérerons des données, peut-être que nous aurons des réponses. En fait, vous m'aviez demandé de regarder s'il était possible que les échoués réagissent à votre sang. J'en ai parlé à Hartmann. On devrait bientôt avoir vos résultats. Enfin bref, allez vous reposer. Votre bébé et vous êtes complètement épuisés. Bonne nuit, Sam. Bridges falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Sam, est-ce que tu me vois? Comment ça se passe là-bas? Je ne suis pas surveillée. Je ne suis pas enchaînée. Je ne peux pourtant pas partir. Mais si tu continues à établir des connexions, si tu arrives à me trouver, on pourra rentrer dans l'Est. Rentrer chez nous. Je te remercie. Je suis sincère. Les choses vont mal. Il y a de moins en moins d'habitants dans les villes de nos jours. Plus personne ne veut fonder une famille. Mais les êtres humains ne sont pas faits pour vivre seuls. Ils sont faits pour se rassembler, pour s'aider les uns les autres. Et si nous, en tant que peuple, n'y parvenons pas, si nous n'arrivons pas à nous reconnecter, alors, c'est sûr, il arrivera ce que Bridget a dit. L'extinction. Arrête. Reconstruire l'Amérique ne nous débarrassera pas des échoués. Tant qu'ils seront là, on n'y échappera pas.
Mais au moins, on aura de l'espoir. J'attendrai que tu viennes, Sam. Que tu viennes me chercher. Viens vite me retrouver. Sam, ici Hartman. Puisque vous êtes réveillé, ce serait une bonne idée de faire un brin de toilette. Du coup, ça ne vous dirait pas une petite douche ? Un bienfait pour le corps et l'âme. Et aussi pour mes recherches, à vrai dire. Cobaye qui ont le Dooms ? Tout le monde, chez Bridges. Mama et moi. Les résultats jusqu'ici ont été peu concluants. Mais vous possédez d'autres qualités particulières en tant que rapatrié. Je dois bien avouer que je suis plutôt optimiste. Traitement des fluides, des déchets, du kéralium, distribution. Prenez cet échantillon avec vous. Si jamais l'occasion se présente, essayez de l'utiliser sur un échoué. Je serais curieux de voir sa réaction. Qui sait, ça vous sera peut-être même utile. J'ai trouvé un vieil article scientifique qui détaille les effets des fluides corporels des gens comme nous sur les échoués. Ce n'est qu'en récupérant ces documents qu'on pourra exhumer les connaissances passées. Pas juste sur le Death Stranding, mais aussi sur les propriétés uniques de votre corps, et même sur le Dooms dont nous souffrons. Il reste peut-être un espoir pour l'humanité. Sam, je n'ai aucune envie de reconstruire l'Amérique. Moi, ce que je veux, c'est retrouver notre passé. Ah, c'est bientôt l'heure. Vous établissez vos connexions qui serviront à rien, et après ? J'ai dit « et après !» Sam, désolé de vous ennuyer pendant votre pause, mais je me suis dit que ça vous intéresserait. Ça vous aidera peut-être même à vous détendre. Nous avons reçu un certain nombre de messages à votre intention. Bien sûr, je ne les ai pas lus. Mais il me semble que la plupart viennent de vos clients. Regardez s'ils contiennent des informations utiles. Vous pouvez accéder à votre messagerie grâce à vos menottes, ou bien au terminal de votre chambre privée. Il y a autre chose dont je voulais vous parler. Le réseau Chiral nous donne la possibilité de reconquérir notre passé. Les données que l'on pensait perdues à jamais des quatre coins de l'Amérique peuvent être reconstituées à partir de documents fragmentés. Nos archives sont pour l'instant encore en chantier, évidemment. Mais à mesure que nous étendrons le réseau et intégrerons plus de stations et de villes, nous récupérerons de plus en plus d'informations. Comme les journaux et rapports d'expéditions précédentes, par exemple. Tout ce qu'elles ont envoyé a été perdu quand la ville relais centrale a été détruite. Mais nous avons déjà réussi à en récupérer une partie. Vous pouvez y accéder sur les terminaux des chambres privées ou sur vos menottes. Il vous suffit de sélectionner Archives. C'est une lecture passionnante. Dit la femme au masque qui ne fait que me mentir depuis le début.
Sam, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. À propos du niveau de stress de votre bébé, vous pouvez procéder de différentes façons pour réduire les risques d'autotoxémie. Il y a plusieurs choses à faire quand vous voyez que votre bébé n'est pas bien et que son état se dégrade. Quoi, par exemple ? Par exemple, prendre le temps de vous en occuper. Bercer la capsule doucement, ce genre de choses. D'ailleurs, juste par curiosité, comment va votre bébé en ce moment ? Avant de vous répondre... Quelque chose ne va pas ? Quand je branche mon bébé, je vois des choses. Quel genre de choses ? Une sorte de visage, quelqu'un que je connais pas et qui m'appelle. Il y a aussi une pièce, avec des gens qui parlent, mais je ne comprends pas ce qu'ils disent. C'est l'effet de contamination. Je ne vous ai jamais parlé de ce phénomène ? C'est le fait de confondre les souvenirs du bébé et les vôtres. En d'autres termes, ce sont de faux flashbacks. Je vous explique. Après environ 28 semaines de gestation, le bébé est prélevé sur sa pseudo-mère et placé dans une capsule. Soyons clairs, tout ça se passe avant la naissance. La procédure interrompt instantanément sa croissance. Il n'a beau avoir que 28 semaines, ses systèmes sensoriels sont déjà suffisamment développés pour enregistrer les stimuli extérieurs. Il est par conséquent largement capable d'encoder ces informations sous forme de souvenirs, qui peuvent parvenir jusqu'à vous à travers votre connexion. Alors, qui est l'homme que j'ai vu ? Sûrement quelqu'un de l'équipe médicale, ou alors un technicien des bébés. Quelle importance ! Ça fait déjà un moment que ce bébé est en circulation. Il est passé entre de nombreuses mains. Comment je pourrais savoir qu'il a particulièrement marqué ? Parce que c'est vous l'expert. Il n'y a pas d'expert, Sam. Les bébés ont été développés il y a des dizaines d'années en secret. En fait, ce ne sont ni plus ni moins que des boîtes noires. On s'en sert, mais on est loin de les connaître parfaitement. J'ai bien essayé d'en apprendre plus, vous pouvez me croire, mais les archives ont quasiment toutes disparu. Si je trouve quoi que ce soit qui les concerne, je vous mets au courant. Vous avez ma parole. J'ai effectué un diagnostic réseau pendant que vous vous reposiez. Le contrôle du Kyralium et les systèmes holographiques sont normaux. Malheureusement, l'imprimante est hors ligne. Je sais, après tout le mal que vous vous êtes donné pour nous apporter les matériaux. C'est entièrement notre faute. On a commandé une pièce il y a un moment, mais elle n'est jamais arrivée. Il nous la faut pour relier l'imprimante au réseau Kyral. Les mules ont dû la voler. Elles ont sûrement attaqué le porteur en chemin. D'après moi, elles ont dû l'emmener sur leur site de déchargement qui se trouve en plein milieu de leur territoire. Que diriez-vous d'aller leur reprendre ce qu'elles nous ont volé ? Vous êtes le plus qualifié pour cette mission. Lancement du scan. Faites bon voyage. Sont rarement désertés. La discrétion est donc essentielle. Avancez doucement et avec précaution pour minimiser le bruit. Come on.
C'était l'IA qui s'occupait de tout. Les livraisons étaient effectuées par des véhicules et des drones autonomes. Tout ce qu'on avait à faire, c'était les regarder faire leur travail. C'était révolutionnaire, quasiment une singularité. Il n'y avait aucune raison que ça échoue. Pourtant, ça a été le cas. Les gens n'ont pas du tout apprécié qu'on supprime le facteur humain de l'industrie du service. Alors, au bout du compte, on l'a réintégré. On a créé des boulots dont personne n'avait vraiment besoin, et on les a donnés à des gens qui ne pouvaient pas s'en passer. Après ça, ça a dégénéré. Aujourd'hui, on se farcit des détraqués accro à la livraison qui prennent leurs pieds en détournant des marchandises. Des rapaces toujours à l'affût du prochain porteur. Évitez-les comme la peste. Lancement du scan. Scan de l'identifiant futur. Vérification de l'identifiant. Accès aux origines. Les armes d'être marchandises. Merci. Décontamination de la combinaison. Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Il est temps de mettre en route cette imprimante chiral. Désolé de vous en demander autant, mais vous pouvez me croire, ça en vaudra la peine. Excellent. L'unité n'a pas la moindre égratignure. J'ai toujours su que vous arriveriez à bon port. À la prochaine. Félicitations, Sam. Il paraît que vous avez maintenant accès à une imprimante chiral. Un appareil incroyablement utile, qui fonctionne uniquement grâce à la manière dont notre réseau exploite la grève, nous permettant de transférer un gigantesque volume de données instantanément. Puisqu'en temps normal, ce genre de transfert prendrait des heures, voire des jours. Certains ont avancé que le réseau chiral serait, en substance, une machine à voyager dans le temps, qui transmettrait des données dans le passé. Il va sans dire que la nature profonde du réseau et de la grève, dont nous sommes aujourd'hui totalement dépendants, nous échappe encore. Notre rapport à la grève n'est pas sans rappeler celui des premiers hommes avec le feu. Est-elle utile ? Certes. Est-elle dangereuse ? Assurément. Mais néanmoins, nous avons décidé que le jeu en valait la chandelle. De plus, les échoués étant reliés à la grève, il va de soi qu'une étude et des expérimentations plus poussées pourraient se révéler très profitables. On pourrait dire la même chose de vous d'ailleurs. Ne vous en faites pas, je vous tiendrai au courant de ce que je découvre. Je vous en donne ma parole. Au travail, nouvelle commande disponible. Veuillez accéder au terminal de livraison pour plus d'informations. Cet objet que vous tenez est un collecteur de cristaux. Comme son nom l'indique, vous pouvez y conserver bien au chaud tous les cristaux que vous ramassez. Euh...
Permettez-moi de vous décrire ce que vous cherchez. Les cristaux Kiro apparaissent dorés à l'œil nu. Et on les trouve dans des formations similaires à des mains humaines. Les pierres et les débris qui les entourent flottent à quelques centimètres du sol. Et ils abondent dans les régions où les précipitations sont particulièrement élevées. Vous avez retenu ? Pluie, pierres flottantes et mains dorées. Les trois signes clés. Cherchez ces trois éléments et vous trouverez des cristaux. Si vous avez été très attentif, vous savez peut-être déjà où chercher. Commande attribuée. Lancement du scan. Faites bon voyage. Le niveau élevé de Kyralium et l'augmentation de la formation de cristaux. C'est peut-être une conséquence de l'expansion du réseau. Mais vous n'avez rien à craindre. La densité chirale locale reste dans les normes acceptables. Si vous en trouvez d'autres, ramassez-les. Vous serez récompensé comme il se doit. Si vous trouvez d'autres cristaux Kiro, vous pouvez les déposer dans l'une de nos installations. Vous pouvez aussi déposer d'autres ressources et tout objet qui ne vous est pas utile. Tout a de la valeur. Ce qu'on n'utilise pas tel quel est démantelé, et les composants fournis au pôle développement ou affectés à d'autres utilisations. Commande attribuée. Lancement du scan. Faites bon voyage. Yeah.
Allez, 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 allez. Merci. Grâce à cette unité, on devrait pouvoir alimenter le centre de district par le biais du réseau chiral. Et d'autres endroits aussi, si ça fonctionne. Espérons que les UCA pourront faire bon usage de notre électricité. Vous permettez que je regarde ? Incroyable ! Comment vous avez fait ? Vous savez voler ? Il ne nous manque plus qu'une connexion au réseau chiral. Allez-y. Nous aussi. Merci encore. Vous savez, j'ai appris que le reste de votre équipe avait été anéanti. Ça rend ce que vous faites encore plus impressionnant. Vous êtes une expédition à vous tout seul. J'espère qu'Amélie s'en sort aussi bien que vous. Je me demande si elle est déjà arrivée à la ville Relais Frontières. C'est elle qui nous a confié la ferme éolienne. J'étais avec le groupe qui fermait la marche pendant qu'Amélie l'ouvrait. Je ne l'ai jamais rencontrée en personne. Mais c'était un honneur de voyager avec elle. Quand vous la verrez, n'hésitez pas à lui répéter ce que j'ai dit. Sam, vous avez une minute ? J'ai mené une expérience à partir de votre sang. Apparemment, vous étiez sur une piste. Après avoir dispersé un échantillon de votre sang sous forme d'aérosol en territoire échoué, on a remarqué une diminution de l'activité. Bien qu'il soit difficile d'en tirer des conclusions, puisqu'on n'a pas d'autres rapatriés sous la main pour faire des tests supplémentaires, ça semble quand même indiquer que les fluides corporels des rapatriés soient des répulsifs à échouer. Mama a eu l'idée de concevoir une arme pour mettre cette théorie à l'épreuve. Le prototype devrait bientôt être prêt. Et quand ce sera le cas, on voudrait vous le faire essayer. Sam, c'est exactement ce qu'on attendait. À présent, c'est presque toute la région qui est reliée au réseau chiral. Il ne nous manque plus que la ville relais portuaire. Revenez à la capitale relais pour prendre du matériel de secours pour le relais portuaire. Le temps que vous arriviez, on sera en mesure de vous donner le prototype terminé en personne. Encore une chose.
Ce n'est pas très souvent que des porteurs se rendent à cette ferme éolienne. Tant que vous y êtes, vous devriez en profiter pour prendre les commandes en attente. Inutile de revenir ici les mains vides alors qu'il y a peut-être des marchandises à livrer. Vous devriez consulter le terminal. Commande attribuée. Paramètres de livraison mis à jour. Temps limite enregistré. N'oubliez pas, un pied devant l'autre. Rien de plus. Sam, Mama vient de me prévenir que son arme anti-échouée était prête à être testée. Des prototypes seront donc ajoutés à votre prochaine cargaison. Une livraison de matériel de secours pour les habitants du relais portuaire. La ville relais portuaire est à bonne distance du territoire des échoués, mais les armes pourraient s'avérer utiles si jamais l'un d'entre eux s'approchait trop. De même, elles permettront aux habitants qui sortent parfois des limites de la ville de pouvoir se défendre. La cargaison comprend aussi un assortiment de médicaments, ainsi que des échantillons de sperme et d'ovules humains. Ces spécimens sont essentiels pour conserver une bonne diversité génétique. Ils ont été fournis par des civils vivant hors des centres démographiques majeurs. En tirant parti des propriétés temporelles du Kyralium, on peut garantir de les garder en état aussi longtemps qu'il le faudra. Une fois la cargaison traitée, connectez le Cupidon.
Quand ce sera fait, la région tout entière fera partie intégrante du réseau Kiral. Ensuite, vous prendrez la direction de la ville relais du lac. Donc votre cargaison comporte aussi du matériel de secours pour ce relais. Évidemment, pour l'atteindre, il vous faudra traverser le lac qui les sépare. Vous aurez plus d'infos dans une deuxième commande que vous accepterez sur place. Ce sera sans doute la plus longue course que vous aurez faite pour nous jusqu'ici. Vérifiez que vous avez tout ce qu'il vous faut. Lancement du Sky. Faites bon voyage. Sam, la cargaison que vous avez rapportée de l'usine désaffectée contenait des archives sur son utilisation. Officiellement, elle a bien été abandonnée. Mais il semblerait que par la suite, elle ait été reconvertie. À quelle fin et par qui, ça reste encore un mystère. Ça n'a peut-être rien à voir avec les mules. Nous devons continuer à creuser. Il faut que vous retourniez au centre de distrib à l'ouest de la capitale relais. Nous allons découvrir ce qui se passe, pour le bien de tous. Sam, avoir le Dooms vous donne des avantages que la plupart des autres n'ont pas. Quelles que soient vos aptitudes, vous faites partie de Bridges désormais. Notre organisation regorge d'experts talentueux dans de nombreux domaines, et ils sont tous prêts à mettre leurs compétences à votre service. L'équipe est là pour vous, Sam. Il suffit juste de demander. D'accord ? Bien.
reporter Bridges. Déjà attaché là, si tu tiens à le savoir. Et d'où tu sors cette capsule? Je la tiens d'Igor, l'incinérateur mortuaire. C'est mon petit frère. Alors quoi? Il t'en a donné un, comme ça. Pourquoi? J'étais là-bas avec lui, à la fin. On déplaçait un corps et ça a mal tourné. Il y avait des échoués partout. Et l'un d'eux l'a attrapé. Il m'a dit de le prendre et de filer. D'accord. Alors c'est quoi ton histoire? Tu survis à une catastrophe pareille et tu continues à faire le même taf? Ok. Avec ça arrive tôt ou tard, j'imagine. Surtout, occupe-t'en bien. Sa place est avec l'expédition, avec toi. D'accord. Tu ferais mieux d'emporter ça, je pense. Je vois pas à qui ça pourrait être plus utile qu'à toi. Sam, tu as réussi. La ville relais portuaire est sur le réseau. Ces gens font désormais partie des UCA. Leurs données intègre notre sagesse commune. Avec assez de temps et d'imprimantes chirale, ils pourront construire des navires. Et un jour, les flots seront à nouveau à nous. Tout ça parce que tu as montré la voie. Même si ce qui suit tes traces n'est pas toujours bien. Une ville qui rejoint les UCA devient une cible plus importante pour les terroristes. Mais nous devons accepter les dangers et avancer, quoi qu'il en coûte. Le reste de l'Amérique t'attend, Sam. Il attend que tu fasses le premier pas et que tu le connectes au réseau Chiral. Je sais que tu peux les atteindre. Rends-nous notre intégrité. Merci. Une ville de plus dans les villes unies, hein? Alors, tu veux traverser le lac et continuer vers l'ouest? Ouais. On a un bateau? Non. Pas depuis des années. Les terroristes ont pris toutes les embarcations de Bridges. Le seul bateau de la ville appartient à un messager privé. Un messager privé? Me dis rien. Fragile Express? C'est bien ça. J'ai discuté avec leur agent. Ils chargent une partie de l'équipement que tu nous as apporté sur leur bateau. Oh, je parie que les gars du relais du lac vont adorer voir quelqu'un accosté dans leur port. Ça doit faire longtemps qu'ils n'ont pas vu ça. Descends au port quand tu seras prêt. C'est juste à côté du centre de district. T'en fais pas, il pleut jamais au relais portuaire. N'hésite pas à te reposer dans ta chambre avant de partir. Oui.
ça. Collecte de sang terminée. Merci pour votre générosité. Particule de Dieu qui imprègne toute existence et génère la masse. Ah, alors comme ça, c'est toi qui l'as entraîné là-dedans. Blessé, mais toujours invaincu. Hein? La présidente Bridget Strand est morte. La dernière présidente qu'aura connue l'Amérique, morte et incinérée. Et c'est bien sûr la fille qui a été choisie pour remplacer sa maman. Aucune chance que ça marche. Elle n'est pas taillée pour la politique, ça se voit. Mais ne t'en fais pas. Je la retrouverai. Et après, je la garderai en lieu sûr. Tu sais, je crois que j'ai compris toute la vérité sur le Death Stranding. Ah, vous ignorez encore tellement de choses, vous autres. Tiens, la fille, par exemple, elle n'est pas comme toi et moi. Ce n'est pas son truc, le Dooms. Son truc à elle, c'est plutôt la destruction à l'échelle mondiale. C'est un agent d'extinction. Oh, c'est tellement dur de créer des liens quand on ne peut pas serrer la main des gens. Mais j'ai de la chance, j'ai un excellent lien avec l'autre côté.
Et toi, la nuit, tu n'as rien d'un pont. Alors que moi, j'ai un lien avec tout ça. Avec ce monde-ci, ce monde-là. Et avec notre adorable petit ange de la mort. Pour tous nous envoyer dans l'autre monde. Qu'est-ce que tu en dis? T'en as pas assez de traîner? N'est-ce pas exactement ce que tu attendais depuis tout ce temps? Le Game Over. Attention, Sam. À en croire notre évaluation des risques, une seule néantisation suffirait pour détruire la ville relais portuaire. Si un seul échoué venait à entrer en contact avec un civil, ce serait la catastrophe assurée. Nous devons empêcher ça. Vous devez vous occuper de cet échoué immédiatement. Incroyable. Tout à fait incroyable. Pour la première fois dans l'histoire, un être humain a vaincu un échoué. Je doute que vous y seriez arrivé si vous n'aviez pas été un rapatrié. Non seulement le contact avec vos fluides ne présente aucun risque de déclencher une néantisation, mais de la même façon que votre cas est rejeté par la grève, votre sang peut être utilisé pour expulser les échoués de notre monde.
et les renvoyer de l'autre côté. Vous nous avez redonné espoir, Sam. L'humanité peut peut-être encore être sauvée. Soyez-en fiers, Sam. Amélie vous attend toujours dans l'ouest. Rejoignez votre bateau. Il est prêt. Apportez ce matériel à la ville relais du lac. Ce n'est que le début. Vous comptez faire un tour dans cette embarcation ? Si c'est le cas, sachez que vous devrez d'abord abandonner toute marchandise que vous n'avez pas eu l'occasion de livrer. Ce serait toutefois dommage d'abandonner un truc important, surtout si vous étiez sur le point de terminer une mission. Ce que je peux vous conseiller, c'est de laisser ça dans votre casier privé à la ville relais portuaire. Et si votre sens des responsabilités vous titille, vous pouvez toujours terminer vos missions avant de partir en croisière. C'est à vous de voir. Soyez prudents. Un petit creux ? Vous y êtes arrivé. Je suis quelqu'un de coriace, contrairement à ce qu'évoque mon nom. Vous avez vu cet enfoiré, vous aussi, hein ? Higgs, c'est le chef d'un groupe de séparatistes. J'ai eu l'impression qu'il avait le contrôle de cet échoué. C'est ce qu'on peut faire au niveau 7, si ce n'est plus. Vous avez l'air d'en savoir long sur lui. On bossait ensemble avant. On va dire qu'on avait passé un contrat. Vous faisiez affaire avec des terroristes ? Tout pour le pognon. Il n'était pas comme ça à l'époque. C'est quoi votre but ? Vous voulez sauver le monde ou le détruire complètement, comme lui ? J'aimerais que... J'aimerais vraiment que les choses soient différentes, vous savez. Voilà notre bateau. Pas d'inquiétude, il flotte encore. Allons-y, c'est nous qui donnerons le feu vert. Demain, si tout va bien. Je vous l'ai déjà dit, Sam. Le passé nous rattrape toujours. Écoutez, je voulais vous demander quelque chose. C'est à propos de cette espèce d'ordure. X.
Ça. Est-ce que tu te rappelles ? Il va bientôt être l'heure d'y aller, Sam. Je ne m'en doutais pas avant que tu me le dises. J'ignorais que j'étais vivante. La vie et la mort, c'est exactement la même chose quand on est tout seul. Tu es toute chaude. Je veux pas rentrer à la maison. Je veux pas rentrer à la maison. Tiens, c'est un attrape-rêve. Porte-le quand tu iras au lit. Et j'empêcherai les cauchemars de t'approcher. Je resterai toujours avec toi. Tu as oublié comment rentrer chez toi ? Allez, viens. Je vais t'emmener à mi-chemin. Et après, tu pourras te débrouiller tout seul. Ça va mieux ? J'attendrai que tu viennes. Là, sur la grève. Viens vite me retrouver. On venait très souvent jouer tous les deux dans cet endroit. C'est toi qui me faisais venir. Moi, je pouvais pas faire le chemin tout seul. Dès l'instant où on a toujours un corps de l'autre côté, on n'a pas la possibilité d'aller et venir comme on veut. Donc tu peux pas regagner l'Est en passant par là. Ce ne sera pas possible tant qu'on ne reformera pas un tout, Sam. J'attendrai que tu viennes. Là, sur la grève. Viens vite me retrouver.